Tout le monde, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, chers étudiants et étudiants, je vais partager avec vous un sujet concernant le premier ou bien le deuxième devoir que je vous ai lancé pour le moment. C'est un sujet très intéressant qui comporte les différentes questions qui pourront vous être utiles et bien sûr qui pourront être posées le jour de votre contrôle. Alors voilà, le sujet est construit de deux exercices. À savoir l'exercice 1, donc voilà, on vous donne une fonction, on vous donne les questions suivantes. Première des choses, on vous donne une autre fonction supplémentaire g de x. Alors vous allez étudier les variations de la fonction g, vous allez montrer que l'équation g de x admet une solution unique et vous allez préciser le signe de g de x selon les valeurs de x. Alors pour la deuxième question, on va étudier la fonction f de x en cherchant les limites en plus et en moins l'infini, en cherchant la dérivée. Et en montrant bien sûr, étudiant le signe de la dérivée, puis on va dresser le tableau de variation. Alors, en écrivant f de x égale, vous allez montrer que f de alpha égale à 3 demi alpha, et vous allez en déduire un encadrement de f de alpha. Voilà grosso modo le sujet 1. Pour le deuxième sujet, voilà. Donc, le deuxième sujet, voilà. Soit la fonction g de x est égale à x moins 2 racine de x, elle est définie sur R plus, montre que g est strictement croissante. Déterminer j, qui est l'image de 1 plus l'infini, montre que g admet une fonction réciproque. Et déterminer g moins 1 de x. Et enfin, de compte résoudre l'équation x carré moins 4x racine de x plus 4x égale à 1 dans l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, essayez de prendre le soin de lire convenablement ces exercices et y répondre en se basant bien sûr sur ce que vous avez vu dans cette cours. Alors, on va maintenant passer à la correction. Commençons bien sûr par le commencement. Donc, voilà la fonction. On vous dit, voilà la première question et d'étudier les variations de la fonction g de x. Donc je vais écrire la fonction g de x. Donc g de x égale à x 3 plus 3x plus 8. Donc on vous dit voilà g étant une fonction polynomiale. Donc il est dérivable sur R. Et par conséquent, g prime de x sera 3x au carré plus 3, soit 3x au carré plus 1, comme il est strictement positif, donc c'est-à-dire que g est strictement croissante sur l'intervalle sur R, bien sûr. Alors, une fois ceci, ça c'est pour la question A. La question B, on va étudier. On va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. On vous dit, voilà, montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique. Alors, pour cela, il faut se concentrer sur deux conditions, à savoir que la fonction est continue. Donc, la fonction g, elle est continue sur R, comme on a démontré. Oui, il s'agit d'une fonction polynomiale. Et en plus de ça, elle est croissante, je m'excuse si j'écris en abrégé, mais vous allez écrire en lettres. Donc ces deux conditions me permettent de dire que d'abord chercher encore l'image de R, c'est-à-dire G de moins l'infini plus l'infini. Alors la limite de moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors vous remarquez bien sûr que 0, il appartient à cette image, c'est-à-dire il appartient à moins l'infini plus l'infini. Alors on dit qu'il existe un certain alpha appartenant à R, tel que g de alpha égale à 0. Alors ça, c'est pour la première question. D'autre part, n'oubliez pas que g, on a dit, il est continu sur R, en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné, c'est-à-dire moins 2, 0. Elle restera toujours croissante. Et ce qu'il faut vérifier, il faut vérifier avec l'aide de votre calculatrice que g de moins 2 fois g de 0 qui est égal. Alors g de moins 2, j'ai trouvé égal à moins 6 et g de 0 égal à 8. Donc c'est moins 48. Donc c'est quelque chose qui est négatif. Alors il existe bien un certain alpha appartenant à moins 2, 0 tel que g de alpha égale à 0. Et dans ce cas, on a répondu bien à notre
question. Donc, maintenant, on va préciser le signe de g de x selon les valeurs de x. Alors, pour cela, je vous conseille de faire un tableau parce que ça va faciliter la tâche. Donc, vous avez x, donc vous avez g prime de x et vous avez g de x. Donc, le domaine de définition, c'était R. Donc, on a dit que la fonction, elle est strictement croissante. Voilà. Donc, il existe un certain alpha. On a dit qu'il existe un certain alpha tel que g de alpha égale à 0. Ça veut dire tout simplement que ce qui est là, ça sera négatif. Et dans ce côté-là, on aura, sera positif. Autrement dit, vous aurez le signe que quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha, vous aurez g de x est strictement négatif. Et quel que soit x appartenant à alpha plus l'infini, vous aurez g de x est strictement positif. Alors là, c'est très intéressant. Alors, on passe maintenant à la question 2, l'étude de la fonction f. Alors, on doit chercher d'abord les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini. C'est très simple. Donc, c'est la limite en moins l'infini de, on va prendre le haut degré, c'est-à-dire x3 sur x carré. Donc, c'est la limite de x. Donc, ça sera moins l'infini. Alors que la limite de f d'x en plus l'infini, ça sera donc plus l'infini. Pour le calcul maintenant de f' de x. F' de x, ce sera donc la dérivée de x3 moins 4 sur x carré plus 1. Comme il s'agit de fonction de type f sur g, donc on va chercher la dérivée du numérateur qu'on doit multiplier par le dénominateur moins x3 moins 4 fois la dérivée de x carré plus 1, le tout sur x au carré plus 1 au carré. Donc, vous allez faire, bien sûr, votre calcul. C'est très simple. Vous allez retrouver égal à x4 plus 3x carré plus 8x sur x au carré plus 1 au carré. Qu'on doit la mettre sous la forme x, x3 plus 3x plus 8 sur x au carré plus 1 au carré. Voilà la réponse à cette question. Alors, vous voyez que le signe de la dérivée n'est autre que le signe du numérateur, étant donné que le dénominateur est toujours positif. Alors, il faut donc étudier le signe de f d'x selon le numérateur. Donc, on va répondre à cette question comme suit. Alors, quand même, voilà, je vais passer à étudier le signe. Donc, pour cela, pour ne pas se tromper, je devrai mettre un tableau. Donc, un tableau, voilà, j'ai la fonction x parce que j'ai trouvé, n'oubliez pas que f' de x n'est autre que x fois ce qui est entre parenthèses n'est autre que g de x sur x au carré plus 1, le tout au carré. C'est-à-dire que le signe de f' de x, c'est le signe de x fois g de x. Alors, je vais mettre ici un autre x et j'ai g de x. Donc, voilà. Et x, g de x. Non, c'est x, g de x. Alors, toujours moins l'infini plus l'infini. On a dit que alpha appartient à moins 2, 0. Donc, alpha est inférieur à 0. Et comme la dérivée s'annule au point 0 et au point alpha. Donc, ici, vous aurez le signe du x positif, ici négatif. Et g de x s'annule en alpha. Et on a dit, d'après la question qui précède, que le signe de g de x sera... Il est négatif ici, voilà, et il est positif dans ce côté-là. Donc, j'aurai ici plus, moins, plus, voilà. Donc, à partir de cela, je dis que f' de x sera positif si x appartient à moins l'infini alpha, union 0 plus l'infini. Alors que f' de x sera négatif si x appartient à alpha, 0. Alors, cela va m'aider à dresser le tableau de variation de la fonction f. Voilà. Donc, on a dit, voilà les valeurs où s'annule la dérivée. Et s'annule ici et s'annule là-bas.
Donc, on a trouvé ici plus, on a trouvé ici moins. Donc, ici, vous avez alpha 0. Ici, on a trouvé une plus. Donc, le tableau, voilà, il sera de cette allure-là. Donc, ici, on a trouvé plus l'infini. On a trouvé moins l'infini. Donc, ici, on va noter f de alpha et f de 0, c'était égal à moins 4. Donc, voilà votre tableau de variation. Je passe maintenant à la question suivante. Donc, on a bien répondu tableau de variation. Donc, je passe à ce qui reste. Donc, en écrivant cette fois-ci f du x de la manière suivante, vous allez montrer que f de alpha égale à 3,5 alpha. Alors, je vais écrire f. On a f du x égale. On a f du x égale x3 moins 4 sur x au carré plus 1. Donc, si je multiplie par x de part et d'autre, voilà, j'aurai ici x3 plus x. Alors, n'oubliez pas qu'on a déjà montré dans la question qui précède que g de alpha égale à 0. Qui dit g de alpha égale à 0, c'est-à-dire alpha 3 plus 3 alpha plus 8 égale à 0. Donc, à partir de là, je peux en déduire alpha 3. Donc, c'est quoi? C'est moins 3 alpha moins 8. Autrement dit, alpha 3 moins 4 sera donc égal à moins 3 alpha. Moins 8 moins 4, c'est moins 12. C'est-à-dire moins 3 en facteur de alpha plus 4. Ce qui m'intéresse, c'est alpha 3 moins 4 et alpha 3 plus alpha. Donc, alpha 3 plus alpha, ça sera donc, j'ajoute alpha de part et d'autre, donc j'aurai ici moins 2 alpha, moins 8, c'est-à-dire moins 2, facteur de alpha, plus 4. Et par conséquent, f de alpha, ça sera donc, est égal à alpha fois alpha 3 moins 4, sur alpha 3 plus alpha. Donc je remplace alpha 3 moins 4, c'était égal à alpha plus 4 fois moins 3, sur alpha 3 plus alpha, c'est quoi? C'est moins 2 fois alpha plus 4. Donc, je pouvais simplifier. Ça reste moins avec le moins. Donc, c'est 3,5 alpha. Donc, c'est bien notre réponse. Alors, il nous reste maintenant pour l'encadrement de f de alpha. Alors, ici, vous avez alpha appartenant à moins 2, 0. Autrement dit, je peux l'écrire de la manière suivante. Et comme je voudrais chercher l'encadrement de f de alpha qui est égal à 3,5 alpha, alors je dois chercher l'encadrement de 3,5 alpha. Donc je multiplie par 3,5 de part et d'autre, j'aurai ici moins 3 et j'aurai ici 0. Ce qui prouve que f de alpha est compris donc entre moins 3 et 0. Donc voilà pour ce premier sujet. Maintenant, je vais passer au second sujet qui concerne une autre fonction de type g du x. Alors, montre que g est strictement croissante et vous allez montrer que g du x admet une fonction réciproque, calculer g moins un x et résoudre l'équation. Alors, pour cela, je vais noter la fonction g du x égale, donc c'est x moins 2 racine de x avec x supérieur égal à 0. Alors, pour étudier la variation de cette fonction, je dois passer par la recherche de la dérivée sans oublier bien sûr de mentionner que la fonction g est une fonction dérivable. Pourquoi? Parce qu'elle est composée de deux fonctions dérivables, à savoir tout x qui fait correspondre à x et la fonction de racine de x qui sont tous continues sur l'intervalle 0 plus l'infini et même dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour cela, je vais tout simplement calculer g' de x qui est la dérivée de 1 moins 2. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur de racine de x. Ça va me donner 1 moins 1 sur racine de x, ou bien plutôt racine de x moins 1 sur racine de x. Alors, ce qui m'intéresse, on va seulement montrer, ou bien étudier la variation, montrer que la fonction est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Alors, x appartenant à 1 plus l'infini, c'est-à-dire il est supérieur à 1, c'est-à-dire que racine du x il est supérieur à 1 et par conséquent racine du x moins 1 est supérieur égal à 0. Donc, puisque le signe de g' de x ne dépend que du signe du numérateur, ça veut dire que g' de x donc, il est supérieur ou égal à 0. Donc, on peut dire que g est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini.
Deuxième question. Deuxième question, on va montrer que la fonction admet une fonction réciproque. Et on s'intéresse à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, première condition, la fonction elle est bien continue. Donc, elle est bien continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on a montré qu'elle est croissante. Alors, g, donc, il admet une fonction réciproque que je note g moins 1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que l'image de 1 plus l'infini. Donc, c'est très simple. Donc, il faut trouver g de 1, c'est moins 1. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, voilà votre réponse à cette question. Donc, il faut expliciter g moins 1 de x. Alors, pour faciliter la tâche, je dois donc noter que g moins 1 est défini de l'intervalle j vers l'intervalle 1 plus l'infini, qui à tout x fait correspondre g moins 1 de x égale à y. Alors, pour trouver cette fonction g moins 1 de x, cela est équivalent de dire que x égale à g de y, c'est-à-dire que x égale, donc je vais noter c'est y moins 2 racine de y, ou plutôt je peux mettre c'est y moins 2 racine de y moins x égale à 0. Donc ça va vous faire rappel à une équation de second degré. Il suffit d'opposer, on pose t égale à racine de y, alors ça va me donner t au carré moins 2t moins x égale à 0. Donc résoudre une telle équation, on doit trouver le discriminant, c'est-à-dire 4 moins 4ac. Donc, c'est 4 fois 4 plus 4x ou bien 4 fois 1 plus x. Alors, on aura deux solutions. Donc, la première solution, c'est 2 moins 2 racines de 1 plus x sur 2. Et T2, c'est 2 plus 2 racines de 1 plus x sur 2. Alors, comment on va choisir l'une de ces deux solutions? En revenant tout simplement au fait que t, on a dit, est égal à racine de y, et y est supérieur ou égal à 1. Alors, qui dit y supérieur à 1, donc c'est-à-dire que la seule solution acceptée, bien acceptable, ça sera concerne puisque y est supérieur à 1. Donc, qui dit y est supérieur à 1, donc d'après cette équation, parce qu'on aura t, c'est 1 plus racine de 1 plus x. Alors que l'être, vous avez ici 1 plus racine de 1 plus x. Donc la seule solution qui reste, c'est concernant qui est supérieure. Donc on va garder seulement celle qui correspond à 1 plus racine de 1 plus x. Après simplification, bien sûr. Donc, n'oublie pas que t, on a aussi racine de y. Alors, y qui est égal à g moins 1 de x. Donc, je vais mettre le tout au carré. Donc, c'est 1 plus racine de 1 plus x, le tout au carré. Donc, voilà, g moins 1 de x. Vous pouvez la laisser telle qu'il est ou bien vous pouvez la développer. Ça vous donnera 2 plus x plus 2 racine de 1 plus x. Donc, vous avez le choix de choisir celle qui vous plaira. Donc, maintenant, après cette question, on va résoudre une équation de type, voilà, x au carré moins 4x racine de x plus 4x égale à 1. Alors là, il faut un peu d'intuition. Donc, c'est-à-dire si je groupe les termes x carré plus 4x moins 4x racine de x est égal à 1. Mais cela va vraiment ne va pas me permettre de répondre à la question comme il le faut. Mais on remarque, on peut remarquer, si vous voulez, on remarque que x moins 2 racine de x. Si je la fais au carré, c'est-à-dire c'est normalement c'est g de x au carré. C'est-à-dire est égal à quoi? Est égal à x carré moins 4x racine de x plus 4x. Donc, dire, remarquez donc l'équation qu'on voudrait résoudre, c'est équivalent de dire que g au carré de x égale à 1.
Alors, résoudre cette équation, je peux mettre derrière g au carré de x moins 1 égale à 0. Ou plutôt, g de x moins 1, comme inattendu tiers remarquable, je peux le mettre de la manière suivante. Est égal à 0. Donc, ça veut dire que g de x est égal à 1, ou bien g de x est égal à moins 1. Donc, il faut résoudre ces deux équations, bien sûr. Alors, première question, c'est pour résoudre cette équation, donc on va résoudre g de x égale à 1. Donc, qui dit g de x est égal à 1, ça veut dire tout simplement que x moins 2 racine de x est égal à 1, donc moins 1 égale à 0. De la même manière, on pose t égale à racine de x, ce qui revient de dire que l'équation, ça devient t au carré moins 2t moins 1 égale à 0. Donc, en travaillant avec delta, qui est égal à b au carré, ça veut dire 4 moins 4, ça donne 8. Donc, c'est-à-dire que la solution 1, ça vous donnera 2 moins racine de 8 sur 2. Et l'autre solution, c'est 2 plus racine de 8 sur 2. Donc, je vais simplifier parce que racine de 8, c'est 2 racine de 2. Donc, il me reste 1 moins racine de 2. Et là, 1 plus racine de 2. Alors, n'oubliez pas que x, il appartient à 1 plus l'infini. Donc, c'est-à-dire que la seule solution acceptable, c'est correspond à, n'oubliez pas que t est égal à racine de x. C'est-à-dire que racine de x, il est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que t doit être supérieur à 1. Donc la seule solution acceptable, c'est t est égal à 1 plus racine de 2. Donc n'oubliez pas que t égale à racine de x. C'est-à-dire que x, ça sera donc 1 plus racine de 2 au carré. Donc, soit que vous la laissez comme ça, ou bien vous la développez. Donc, c'est 1 plus 2, ça vous donne 3 plus 2ab. Donc, voilà votre solution. Donc, S ce sera donc 3 plus 2 racine de 2. Donc, ça, c'est la solution S1. Alors, pour le reste, maintenant, je n'ai pas laissé d'espace. C'est vraiment, je suis désolé. Donc, il nous reste g de x égale à moins 1. De la même manière, on aura x moins 2 racine de x plus 1 égale à 0. Ça, c'est très simple. Vous pouvez le voir directement. C'est racine de x moins 1 au carré égale à 0. Ça veut dire racine de x égale à 1. Ça veut dire que x égale à 1. Et par conséquent, les solutions disponibles, ce sont 1, 3 plus 2 racine de 2. Donc voilà les solutions de l'équation qu'on vous demande bien sûr de résoudre. Alors voilà pour ce sujet, c'est un sujet très intéressant. Donc essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Et bien sûr, il y a d'autres exercices concernant le premier chapitre. Donc si vous voulez les voir, donc vous pouvez entrer dans ma chaîne et vous allez directement sur la playlist. Donc vous allez bien sûr directement sur le premier chapitre, limite et continuité, et tout ce que vous avez vu dans votre cours, vous allez trouver un tas de problèmes, bien sûr, plus ou moins difficiles. Alors, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.